Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer les cendres de guerre. Enchaînement de taille, donc on est en Kaelid, précisément ici, donc sur le site de grâce de la rive sud du marais d'Ivoine, donc au sud de la Kaelid. On va simplement remonter, on va passer le portail de Celia et on va aller jusqu'à la cité de la sorcellerie. Donc rien de bien compliqué. Limite, vous pouvez même le faire en tout début de jeu, même si vous n'avez pas un trop trop gros niveau, du moment que vous esquivez les ennemis, tout devrait bien se passer. Parce que là, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est juste passer au travers, sans tuer personne. Donc là, vous voyez, je prends juste la route un petit peu sur la droite. Ensuite, à partir d'ici, dès qu'on passe la porte, je sers à gauche pour éviter le chien qu'on voit sur la droite. On va continuer jusqu'à franchir une nouvelle porte. À partir de là, ça va être tout droit. Donc, je vais pas tenir compte de tous les ennemis invisibles. Si vous avez une invocation, vous pouvez l'utiliser. Là, dans mon cas, ça peut être nécessaire. Donc, ouais, éventuellement, vous pouvez vous prendre un ou deux coups, mais si vous ne vous arrêtez pas, voilà, si vous en prenez un ou deux, mais en début de jeu, c'est pas trop trop grave. Donc, vous avez un petit peu de vie, que vous prenez une potion. Donc là, on est arrivé jusqu'aux marches, on a pris les premières racines, on va juste sauter de bâtiment en bâtiment. Là, je continue au bout, hop, voilà. Ah, ok. Alors, j'en ai un tout petit peu. Alors oui, c'est bah, c'est bien. Ça montre donc que c'est un scarabée qui peut se téléporter. Donc là, et je suis parti derrière. Alors, ah oui, il y en a un qui casse tête avec ses flèches. Et voilà, centre de guerre, enchaînement de taille, ghetto d'Azé. YouTube, on se laisse ici. N'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. À bientôt!